Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, parents et amis époux, Mesdames, Messieurs, permettez qu'au nom de toute la famille qui, depuis ces 15 derniers jours, ont entrepris une longue veillée autour de celui qui a été lâchement assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet, que je vous dise merci d'être venu accompagner à son dernier voyage, mon père, le président que vous avez beaucoup aimé. Vous êtes venus, certains de très loin, le saluer à la gare de son dernier départ, au seuil de ce voyage vers les espaces infinis d'où l'on ne revient pas. Papa, je me rappelle encore ce jour où tu m'avais annoncé, plein d'enthousiasme, que tu avais l'intention de présenter ta candidature à la suprême magistrature de l'État. Ce jour-là, on a causé longtemps, très longtemps. Et tu m'as parlé de tes nombreux projets. Nos regards embués de larmes cherchent encore désespérément un signe de vie dans ce corps que les hommes sans cœur ont rendu inerte. Mais les grains que tu as semés fleuriront. Les chantiers que tu as entamés seront poursuivis. Les ouvriers sont nombreux. Ça fait quelques mois, papa m'a décampé dans même la cour, ça. Et grand-papa m'a couché dans le cercueil. Papa m'a mis du courage sous lui pour te parler de papa. Il te met du courage sous lui pour te dire qui j'en ai mon papa, qui j'en ai élevé, éducation de recevoir de lui. J'en ai dans le monde qui te travaille, j'en ai remède et j'en ai respecté. Je dis, c'est moi-même qui ai besoin de courage pour me parler de papa. Pour moi, papa, c'est un monde qui est rempli avec l'amour. Même là, il vit dans mes temps méchants. Papa me dit un modèle pour chaque grand monde. Papa me dit honnête. Il était bon à tout le monde. Il t'a prêché tête ensemble, même s'il t'a vécu dans la traite. Il était compassion. Il était toujours voulu aider. Pour moi, papa, c'est un héros. C'est un leader, un vrai leader. C'était président nous, c'était président Pam. C'était un président tête graine, petit peuple. Un président qui a assassiné la haine. C'est un président qui a vécu pour peuple et qui finit par mourir pour peuple. Moi, on est. Je te confie nous, papa, des fois, dans un tyran. Je te confie nous, dans un méchant, dans un diable. Je te dépasse un peu comme pour ça. Mais moi, je connais tout que, dans le matin 7 juillet, j'ai pas fermé. Je n'ai pas noté l'ouvre. Nous, est bien clair pour moi. Alors, c'est ça que fait si elle l'oulanger, nous. Nous avons mis des garçons et femmes sous nous. Oui. Pour nous honorer la mémoire libérée dans chaque action nous posons. Monde qui a accent c'est bagaille qui est fragile. Je vous dis, on l'a, des mondes disparaissent. Mais on l'idée qu'à simple, mais elle était éternelle. Nous sommes capables. Haïti pour Haïtiens. Tout Haïtien doit avoir le même droit. Haïti va être douce pour un petit parti monde seulement, mais elle est douce pour tout le monde. C'était l'idée ça, yo. C'est l'idée ça, yo, papa m'a prêché. Et c'est pour l'idée ça, yo, yo assassiné. Mais pas oublier, on l'idée plus puissante, parce que n'importe monde. L'idée continue à vivre et continue à grandir. Même les avis pas. L'idée est éternelle si on prend racine dans laquelle. Ce n'est pas la première fois qu'on assassine un président. Qu'on déracine papa. Et pourtant, Jean-Yab dit, on n'a pas jamais changé. Mais nous ne pouvons pas faire même erreur, nous avons fait plus que 2 siècles à faire. Nous allons gouverner, c'est vrai, nous allons gouverner. Mais il faut que nous gouvernions avec sagesse. Ce n'est pas violence pour nous. Nous allons gouverner. Oui, nous allons gouverner. Mais nous allons gouverner avec toute tête, nous. Pas avec des amis vietnamiens. Moi, c'est dire que chaque action, nous, chaque décision, nous prenons, continue à honorer mémoire président, nous, son Excellence Jovenel Moïse. Moi, c'est dire que chaque action, nous, chaque décision, nous prenons, continue à honorer mémoire président, nous, son Excellence Jovenel Moïse.